Salut à tous, c'est sur Magic Arena FR. Comment ça va, Pou Ça va très bien toi Ça va très bien. Encore un petit peu l'Explorer, mais on adore ça. Et aujourd'hui, on mêle junk petitif et Explorer avec ce deck Song Combo qui a bien amusé la galerie. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas euh, se ridiculiser en faisant une vidéo sur un deck, euh, ma, foi, euh, ma foi rigolo, qui a des murs de runes en side, finalement Qu'est-ce qu'on en pense Après, c'est bien les murs de runes. Ça coûte peu de mana, ça trigger sur ton champ de la création et ça bloque les départs agressifs de tes adversaires. C'est une bonne idée dans le deck, mais c'est quand même très marrant de voir ça qui n'était même pas joué en limité. Ah, bah non, ah bah surtout pas. Il y a un mur 0-4, on n'en veut pas. Mais c'est vrai que dans ce deck-là, c'est plutôt marrant. C'est un deck qui sévit pas mal en, en explorer. On parle de junk parce que c'est un deck combo rigolo, mais on est pas mal du, du côté du compétitif. Euh, moi, j'en ai rencontré sur le ladder. C'était assez puissant, notamment parce que la liste, elle est plutôt bien construite. C'est pas si difficile à jouer parce que t'as pas besoin de séquencer ton champ de la création tu peux juste le slammer, c'est-à-dire le jouer le plus rapidement possible, que ça soit au tour 3 ou au tour 4 selon tes possibilités, et euh, juste ensuite euh, jouer tes cartes dans l'ordre et gagner. Il n'y a pas forcément besoin de séquencing. Et, euh, et du coup, c'est un deck qui est assez puissant. Si ton adversaire n'est pas préparé, tu vas souvent gagner les games 1. Mmh. Ouais, assez, euh, assez solide. Avant de parler un peu plus de la decklist, pouce bleu, si pas pense en confiance, ça fait plaisir. Et merci au sponsor, Playing by Magic Bazaar, Code Valet PL 2022 sur leur boutique, ça vous donne 50% de de fidélité supplémentaire et ça nous soutient. Merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront une seule fois par compte par année, ça régale. Dominaria arrive, je le rappelle, voilà, si vous voulez vous faire plaisir, petit code, ça régale. Du coup, merci beaucoup. Champ de la création, qu'est-ce que ça fait Enchantement qui permet de jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours, ça fait ramper, c'est ouf. A chaque fois qu'on lance un sort, on pioche deux cartes, ça c'est ouf. Et au début de notre étape de fin, on défausse notre main, ça c'est pas ouf. Mais le but du coup, c'est de faire des dingueries avec euh, l'effet, lancer euh, un sort, piocher deux cartes. C'est pour ça qu'on a plein de sorts à zéro, justement, pour abuser euh, de cet effet-là. Et la combo, ça va être tout simplement, on pioche notre deck, on pose un rac de taçon, on a gagné. Ouais, ce qui est super Basico. intéressant, c'est que tu défends très facilement ta combo avec une offre qui ne se refuse pas, et donner un trésor à ton Oppo, t'en as strictement rien à foutre, parce mmh. qu'on euh, s'en fout à quel point ton Oppo va se développer, toi tu veux juste résoudre ta combo. Et je me suis retrouvé plein de fois dans le spot où bah, déjà j'ai perdu la game 1, et ensuite en game 2 j'ai voulu interagir, j'ai voulu tuer Rock de Tassa en réponse, et en fait bah, tu te prends juste ton contre et puis t'as perdu quoi. C'est ça, et sur les match peu interactifs, vous pouvez faire ça sur vos sorts, ce qui fait que vous créez deux trésors exactement, en fait, c'est euh... ce qui a été fait aussi de la part de mon adversaire donc c'est vraiment un deck qui monde. est Tac. pas mal plus fort que ce qu'il en a l'air oui ouais, ça fait des trucs mais disons que comme il a qu'un seul plan de jeu si jamais il est disrupté, que ça proute un peu genre vous piochez trop de land typiquement bah, vous allez un peu prouter euh, c'est pour ça qu'il peut pas être non plus trop trop compétitif selon moi mais, mais c'est pas mal c'est pas mal du tout ouais. pour ouais, du ladder c'est un ceux deck qui, connaissent qui pas. prend pas de la disruption sec hein. euh, à part Archon, Toff tu prends rien qui te disrupte naturellement t'as pas besoin de ton cimetière en fait ouais oui, oui il faut des contre-sorts, il en faut plusieurs pour passer au-delà des... des offres ouais. qui ne se refusent pas. Quoi. En fait, il faut pas qu'il ait les de la création. Si tu peux l'empêcher d'avoir champ de la création, là, il n'y a pas grand-chose. Euh, pour aller chercher du coup, une chambre de la création, on a des talismans de souhaits. Euh, on le pose, on l'engage, on va chercher un truc qui sera toujours un champ de la création. L'adversaire peut aller chercher un truc, on s'en fout. Euh, on a. contre-sort, euh... c'était bien dans la partie Exactement, on a les acoïtes de rose qui sont pas là pour être des dorks mais pour un mana, on fait un mana de la couleur de notre choix donc en fait on recrée un mana, on peut transformer un mana vert en mana d'une autre couleur pour justement euh, trigger la chambre de la création. Emery du coup avec les artefacts qui coûtent pas cher, qui permet euh, de se mêler donc ça accélère un petit peu le plan de jeu et qui permet de rejouer les artefacts du cimetière donc très très bien euh, si jamais on l'a joué avant d'avoir de la création sinon on peut pas s'en servir. Euh, Moxambre qui va être du coup très utile avec Emery et Kinan pour faire du mana. Les ornithos et les cryptes qui sont là pour être à 0. Puis de sorcière, ça fait regard 2. Et pour un mana, du coup, un draw 2. Et dispute mentale, ça permet de recycler les artefacts nuls qui ne servent à rien. Pour ouais. justement piocher 2 et faire un trésor et encore plus avancer. Donc piocher 4 cartes et elle va faire un trésor. Le, le, le deck creuse énormément dans le champ de la création. Et il faut que vous vous demandiez, euh, quand vous regardez votre main de départ, est-ce que cette main de départ est fait champ de la création tour 4 Si votre main de départ elle n'a pas de champ de la création ou qu'elle n'a pas de carte pour creuser et que vous estimez que vous ne trouverez pas votre champ de la création au tour 4. Ne jouez pas ce deck, voilà. euh, vous n'allez pas survivre à l'agression d'un deck agressif, euh, vous n'allez pas survivre à la disruption de u white control, il faut mulligan vos mains pour être sûr de résoudre un champ de la création. Le deck est fait pour ça. Ouais. En side, euh, j'aurais du mal à vous expliquer tous les choix euh, pour le coup, surtout qu'on va partir en BO1, puisque deck euh, un peu compliqué à jouer, les u white control ils sont là, donc avec les contres, surtout les dovins veto, c'est pas facile. Je vais t'expliquer quelques choix, euh, pour le coup. Mais euh, ouais, vas-y, bah, du coup, comme tu l'as rencontré, je t'en prie. Ouais, le, le mur des runes, tu vas ça, pouvoir les sider contre les decks agressifs pour gagner du temps, et en plus, ça creuse dans ton deck, donc c'est plutôt une bonne, une bonne option, tout simplement. Oui. L'ermite maléfique, tu vas justement lui le rentrer pour rendre tes sorts incontrables contre les decks white control. C'est d'ailleurs vachement bien pensé, euh, ce, petit, euh, ce petit ermite maléfique. Les archers du bosquet, je connais pas la carte, donc je ne sais pas pourquoi les gens euh, jouent ça, pour le coup. Euh, J'imagine que ça, euh, c'est une bonne bête de défense, qui a en plus un effet transfert acceptable dans les matchups où tu as des créatures avec le vol. J'imagine contre u peut-être. Ouais. Euh, u White, pardon, contre Spirit. 3, 3 pour 2, c'est quand même. Ça fait pas bander, quoi. Bah, bon. contre Spirit, ça sera super bien. Mais je pense que ça s'arrête là, le, mon niveau oui. de compréhension de la carte. C'est sûr. Euh, Lantern Guidam, ça va être contre les sûr. jeux Simpiers, bien évidemment. Plus de la réalité, ça va te permettre de grinder. Je pense que ça va être une super carte contre ragdos et tous les matchups très interactifs. Euh, L'emprunteur intrépide, je pense que c'est juste une interaction qui rentre dans ton deck naturellement. Et le Jess, porteur de mystère, en fait, c'est pour swapper avec Oracle de Tassa contre les decks Ragdos qui vont avoir des interactions de créatures pour t'empêcher de combo. Et comme ça, tu vas pouvoir combo avec un Planeswalker qui est plus dur à cibler. Yep. En fait, il y avait que l'archer que je ne savais pas trop où le foot, Mais j'avoue, quand j'ai vu Mure des ruines Archer, je me suis dit que le side allait être un peu what the fuck. Hop. Est-ce qu'on n'est pas parti en BO1 là sur on va partir en, parti en BO1. Bim. On n'a pas assez joué ce type de deck pour partir en BO3. Mais en vrai, on pourrait. Hein. C'est pas, pas non plus. Ouais, moi, c'est plus par rapport à l'environnement. Euh, les U-White, normalement, ils sont pas en BO1. Et c'est vrai que c'est un match-up assez dégueu, quoi. Enfin, dès qu'il Veto, en fait, c'est un peu chiant. Ouais, franchement, Game 1, je pense que tu gagnes toutes tes Game contre U-White. Hein, donc après, faut en voler une des deux autres, quoi. Ah ouais Parce que t'as ouais. quand même que 4 contre. Hein, genre, ouais, mais lui, il n'a pas forcément beaucoup de Dovins Veto, même deck. Ça, c'était Mulligan. Ça euh, ne fait rien. Euh, ouais, parce que c'est une main qui creuse pas. faut pas avoir peur de Mulligan, un peu ardemment avec le deck. Je vais y aller ardemment. Vas-y Mulligan, bien ardemment. Mulligan. Ça, ah bah, ça, bonne... ça, chante la de création, ça, a Kinan. Ok. Ah, c'est une main, c'est une main d'exception. Euh, je père. vais enlever. Un ornito plutôt. Euh, Est-ce que je peux jouer ça? Ouais, je peux jouer ça, ça fait un mana, ouais. Ornito. Plutôt l'ornito. Ouais. Quoique, non, parce que j'ai envie de. Ça, en fait, je sais, je vais avoir du mal à jouer là. Bah, tu, tu le joueras sur Kinal. Ah oui, c'est pas qu'une artefact, c'est une créature aussi. Ouais. Okay. Ah mais après, si je perds le mana de ça. Bah c'est pas grave, en fait, tu auras résolu, tu trouvé de quoi jouer ton champ de la création ouais. tranquille ou épouse. Euh, du coup, je fais juste l'en engager là. Ouais. Épouse. Tu pouvais faire un truc avec mon mana J'ai l'impression que mon land brillait. Bah il te demandait si tu voulais payer du mana pour caster un Mox d'Ambre à zéro. Ah. Un match-up super interactif, oh. tu vas bien t'amuser du coup. il soit mou. Ah mais je, je, te, je te le dis, il est mou. Tu le, le me le signes. Ah je te le signe, ouais. Fais un petit Bozeju Kinnan. Ouais ouais, Et tu vas juste passer le tour quoi. On fait euh, tour 3 champ de la création, c'est pas mal. Ouais. Et tu vas voir, tu vas juste gagner la partie si tu pioches pas plein de landes. Tu peux aussi délayer ton champ de la création d'un tour pour commencer à... à faire un peu des bêtises. Wow, contre lui, je crois que tranquille. Bah, justement, c'est assez tranquille. Il, il te dispute pas. Tu vois, ici, je pense qu'au lieu de faire champ de la création, tu peux dispute mortel fin de tour et du coup avoir un peu plus d'options. Euh. Ouais, ça me baisse le mox d'ambre. Euh, je sais pas. Hein. Non, bah, vas-y. En fait, si le jamais je là, fais dispute là-dessus. En fait, si le tour d'après tu repioches un land, tu fais rien, quoi. Hmm. Non, parce que du coup, avec dispute plantée, je vais draw 4. Mais non, mais là, si tu fais champ de la création, tu perds ta main, gros. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah, bah oui. J'avais oublié. Après, moi, tous mes oppos, ils se lamaient champ de la création et ils attendaient de top dès un actif et ils avaient gagné la partie. Hein. Je pense que là, tu oh, peux aussi pfff. prendre ce plan de jeu-là. Mais on pouvait aussi être un peu plus euh, conservatis, quoi. Je prends le plan de jeu, là. Vas-y prends le plan de champ, c'est bon, vas-y vas-y, on est royal là, regarde ça. Je peux lander. Oh bah je peux dispute mortel en plus. Ah putain ça te fait lander. Ah oh, mais c'est excellent, mais c'est excellent. Attends mais pourquoi ça a coûté que 3 1, 2, 3. Ah oui parce que Kinan fait deux manas, je suis con. Mais c'est excellent, excellent ça. Mais c'est excellent. Mais c'est excellent. Hop, du coup là je paye. Et Mox d'ambre ça dégage. Hein. Et Mox d'ambre ça dégage. Mmh.

Ah ouais, pars, pars, vas-y, inquiète euh... Tu peux prendre ton mana avec Mox pour jouer des cartes. Bon, là, t'as gagné, hein. si tu veux. Tu bah, ouais, je vais faire euh, du mana vert. Faire ça. Tac. Là, tu peux prendre euh, du mana mmh. bleu, jouer Wishing Wells. Ouais, 35. 35. Bottom euh, tout ça parce que de toute façon il va pas interagir avec toi. Et... Là tu prends ton mana euh, avec, euh, de mana avec le mana bleu. Je fais un mox. Tu peux Blanc jouer un content. deuxième la création. Euh, non, je peux pas faire de rouge avec mox. Je ah oui, tu peux un... faire que le mana que tu as à disposition. Bah tu peux rejouer à acolyte. acolyte ok ah merde non il était en exil je crois que c'est un autre. C'est oh. pas grave, tu peux prendre ton mana avec Mox et continuer. Ah, là tu vrai. fais toujours tu fais toujours Oracle. T'as Emery pour euh... vider maintenant. Je vais faire un wishing. Ah ouais Emery c'est bien ouais, t'as raison. Il faut retrouver un spell à zéro là. Ok nice. Hop. En Faudrait que tu retrouves un mox là, t'es un peu bloqué si tu retrouves pas ton mox. Euh ouais. Bah tu peux refaire un Emery. Ouais. De bah, toute façon, tu vas si tu gagnes pas ce tour-ci, tu vas gagner le tour d'après. Hein. Regarde le board que t'as, regarde ce qu'il fait en face. Bah, tu as quand même gagné la partie en fait. Même si tu tues pas dans le tour. Ah non j'ai perdu. T'es en, mode... en mode GG Wellplay quoi. Non j'ai perdu. Pourquoi Parce que j'ai Oracle cimetière et que j'ai un rock dans ma main. Et alors, tu veux, tu peux pas les récupérer Bah avec quoi Ah je sais pas, je réfléchis. Non non j'ai perdu. Ah ouais on s'est fait avoir comme ça Bah je crois hein Putain moi mon oppo euh, franchement il faisait comme ça hein. Il juste il jouait tout son board et... Mais même pas en fait là tu vas pouvoir tuer avec Kinan ou quoi non Bah Je crois pas hein. Genre t'as pas une option Attends y'a un truc que j'ai pas vu Bah écoute on va voir hein. Oh j'exile mon cimetière Avec Emery tu peux faire revenir des trucs Est-ce qu'il y a un truc qui nous permet de récupérer euh... l'oracle ouais, Franchement tu retrouvais un euh... Tu retrouvais un mox d'ambre, t'avais gagné quoi, c'est super moche. Mmh. Oui je vais ouais, faire écoute, ça hein. essaye. Hein. Ouais, 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 il était là le mox d'ambre. Ok a une capacité euh... Ah si Takenuma, Takenuma. Parfait, go. ah voilà la solution Nickel Du coup ouais, là Du coup là, je peux du coup, là être... après Premier, pour un Mox d'Ambre tu peux gagner hein. Mais Tu Takenuma... Ah si je peux faire un Mana Noir Si si oui. tu fais un Mana Noir Ah oui non le Mox d'Ambre il ne fait pas le Mana Noir C'est avec la spell Parce qu'il ne coûte trois. que deux en plus le Takenuma histoire de bien se marrer c'est bon ah je me disais putain je suis mort là c'est un peu chiant. Tu prends pas le mana de McDonald's Euh si ouais je peux. Ouais c'est mieux. parce que là je fais... Attends j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Let's go. Ok. Ah j'ai eu peur là je me suis dit merde on a perdu là. Tu trouves pas super fort ce deck c'est vrai qu'il est super fort hein, parce que là, si jamais je proutais pas, c'est tour 3 win et du coup, bah, c'est tour 4 win. Bah ouais. C'est vraiment pas mal. Et, Alors, et franchement, Gamune, je vois pas comment tu disruptes ça. Ouais. Après, on a fait ça parce qu'on a énormément joué le deck et qu'on est aussi euh, très très bon <laughs> à jouer des deck combos. <laughs> c'est pas. Non, parce que si tu le mets dans les mains de n'importe qui et qu'il fait ça, c'est déconné. Non, mais gros, mais là... la première fois que tu joues un deck combo, t'as le droit de pas être extrêmement fit sur les interactions, c'est pas grave. Mais bah non, mais pour gagner, il faut être bon. Ah oui, c'est vrai. Regarde-moi ouais. ça. Euh, c'est pas incroyable, hein, mais on va espérer bien piocher. Ça va, bah, franchement, ton premier oracle, il va creuser vers des, vers des, des actifs et c'est cool. Allons-y. Oh, Le, le seul U-White qui joue en, en BO1, il est là. Tu penses Mec, c'est lui. Mais je vous sens En vrai, je te dis, U white euh, surtout en BO1, il bat pas ce deck, hein. Je sais pas hein, parce que là quand je suis parti euh, Vous pouvez m'attraper quoi. Ah, je suis pas sûr moi franchement. Ah, C'est pas forcément perdu, mais genre euh, Ouais, un deck que... qui joue 12 spells par tour, franchement, il white, il le bat pas. C'est pas, pas très vrai. En ah plus, oui, mais tu, mais je joue tu 12 combo spells, pas, là, tu, ça. tu mets un sacré board, quoi, donc. Euh. euh Kinan ou pas Euh. Kinan, ouais, parce que le tour d'après, tu peux... Euh... Tu peux dispute ta Kinan, euh, ok. Écoute, c'est U-White en face, hein, t'avais raison. Ou alors, il y en a qui joue en Explo euh, Jeskai Cavalier comme à l'époque. Ouais, moi j'ai. Jeskai Creativity. qui Creativity qui était pas mal. Ouais, c'est Jeskai Creativity si je joue Prophétie de Feu. Ciao, Kinan. Je... Tu peux Oracle de Tassa. Ouais. On va garder l'ornithopter. Euh... Ah ouais Pour euh, dispute mentale Bah ouais, c'est pas mal, non Ok. Ah, par contre, le beau joue, je. Rien à foutre. Mais j'ai mis une carte au-dessus, non Ah ouais, d'accord, ok. Putain, il suffit de cliquer sur l'ornithoptère le... et le reste va en dessous, c'est ça Ouais. Je savais pas comment c'était wardé, pardon. D'ailleurs, j'ai mis une carte en dessous dans un ordre aléatoire. Du coup, il ne la montre pas alors que. Il pourrait. Alors là, si bah... jamais on.

Ce qui est bien c'est que si sur sa créativité il nous tue pas, on s'en fout. Il nous rend plus fort Bah il nous rend plus fort de ouf ouais. Ah ouais. Sauf s'il fait agent, je prends champ de la création. Mec c'était sûr. C'était sûr en fait. Attention faut pas qu'il ait anti-permanent par contre. Ça marche pas rien. Non mais il faudrait que t'es. que aies un land là. Nice. Hmm. tu fais bassin d'étape hein. Ah, je mets si un il, point. Un truc, ouais. il veut tuer ton truc fin de tour tu peux une offre qui ne se refuse pas hmm. ok et là t'es setup gros t'es paré t'es paré au combat ah il peut laisser le trigger résoudre puis le tuer bien sûr force je croyais qu'une fois que savait pas, au moins tu pouvais te protéger quoi c'est vrai il se dit oh putain faut que j'aille maintenant ah j'y vais là ça l'a soufflé là je le sens en notre adversaire, il... il sait pas ce qui lui arrive. Visiblement il connaît pas ça. Ah, putain, on va prendre Transmogrify. Non, il joue Creativity, il joue pas Transmogrify. Ah mais Creativity, ça marche aussi. Oh damn. Eh oui. Après, il va pas prendre champ de la création, c'est ça la bonne nouvelle, donc tu t'en fous un peu de ce qui te prend en vrai. Il peut pas Bah s'il le prend, il va passer un mauvais moment quand même. Ouais, il espère bien top deck, quoi. Ça va être une bataille au top deck, sauf que lui, euh, champ de la création. jamais il te prend champ de la création, je peux pas y croire. Oh, dame! Que c'est coûteux! Dame! Dame les gens! Eh ben, rien. Ça va être un peu drôle cette game du coup. Dommage. Très dommage. Je suis sûr, il était là en mode Oh, je vais faire Creativity! Et après, il a regardé le board, il a fait Mais attends. Mais attends, si je le fais là, c'est nul. Je vais piquer quoi à son ornito? J'avoue, tu pioches vachement bien là, t'es aidé. Hein. Ah bah avec champ de la création, euh, c'est une et draw. <laughs> ouais. Donc voilà, pour zéro, j'ai pioché 4. Hein, mais. Se trouve que. Bon. Pas ouf. Non, pas dingue. Hein. Après, actuellement, j'ai beatdown. Hein. C'est vrai que tu es beatdown. Fort. Ah, j'ai plus. On va faire cré... créativité avec égale 2. Ouais, mais il va te piquer quoi de l'onde. Il va te piquer croc. Oh Les piquer croc. Avec deux points, quoi. Putain, en vrai, il nous laisse encore le beatdown, il est con. Bah non, parce qu'il met deux, on met un. Bah, il nous laisse attaquer, quoi. Il nous laisse pas un beatdown positif, mais il nous laisse attaquer. Mentalement, c'est important. On est encore dedans, ça veut dire. Eh oui. Oh, putain. Je la sens venir, là. Ah non, toujours pas. Il Mais attend il de prendre cartes, tout non. Oh putain. Oh, mec, oh, c'est chaud maintenant. Mec, si la Dovinz Veto vraiment, APC, t'es le pire. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, je te le dis. Je le connais, c'est pas possible. Ah, il a que dalle. Mec, il a que dalle. Mec, il a que dalle. Ah oh, mec, il a que dalle, putain. Oh, il a que dalle. Mec, c'est gagné. Hein. GG Wellplay. Hein. Oh putain, moi j'ai ça. Ça. Oh là là, oh là là, oh là là, bah par contre faut que tu trouves un mana s'il te plaît. Bah j'y vais j'y vais, faudrait que j'en trouve deux même. Oh merde. Ah Emery ça passe. Emery. Ah Emery ça passe. Vas-y. Oh putain, il y, avait, il y avait combien de cartes y'avait 15 cartes sans land il bah, y avait un land sur euh, 4, 5, 6, 7, 8, ah 9, non non, suis 10, désolé, gros gros, c'est c'est 10, 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 pas de Ouais pas de notre faute pas tomber notre y Laisse tomber Il y ça des games pas ça Après c'est pas, pas, pas fini Ah si hein, franchement Parce que là avec une refuse qui se refuse pas up On avait gagné la partie ça me casse les couilles. J ai, j ai un, ça j'ai J'ai un ouais ça j'ai un peu Ouais ça pouvais un peu chier Je pouvais Mais faire ne jamais pas de land, putain. Oui, vas-y je t'en prie. Moi je fais pas ça. S'il trouve pas Creativity, on a encore une chance, mais. Ça va, il va pas draw 2. <laughs> Et il vient pas de draw 1, il va pas draw 1, son upkeep. Non mais, mais... gros on est d'accord que c'est vraiment contre nous là, c'est pas ah, possible. Sur 13 cartes, un seul land qui en plus est meulé sur Emery, alors qu'on pioche euh, 1000, euh, c'est pas de chance. Après on trouve deux champs de la création euh, au début, enfin... Je suis so sad, vraiment. Ah. Attends, il a mis quoi au cimetière là Qu'est-ce qu'il fait, lui Il just contrôle sky control euh, fable Non, non, il réanime des carcasses pour faire des magma opus. Il est the worst person in the in the world. Le mieux c'est que s'il fait moins 3 sur 100, ah, il le fait. Euh, ça, ça fait plus de rouge. Eh, eh, eh ouais. C'est pas faux. Hein. Donc faut trouver de quoi. Putain gros on avait gagné mais vas-y c'est trop laid putain C'est trop laid putain ouais je suis d'accord Ah ça me fait rager Mais il crache pas Bah ouais, c'est trop tard je rage Ah Ça fait du rouge Mais je m'en fous c'est trop tard là on va jamais gagner contre Teferi Tu sais pas ça T'en sais rien mon ah, pote pas ça mais, mais J'ai quand même une idée quoi To move quickly. Putain marche blanche, oh, sans déconner, quelle carte de merde. Le mec qui joue mono rouge mine des nains, euh, splash teferi et marche blanche. Let's go. <laughs> Super. Non mais il joue, il joue -S -S creativity, mais euh, juste. Il, euh... il est pas très créatif quoi. Allez vas-y, tu peux quitter. Ah je veux voir, je veux voir. Ah tu veux voir ce qu'il fait bah, ben, voilà. Quatre agents. Du coup le magma opus, il est vachement bien dans son deck, hein. Non. Mais attends attends, euh, euh, je laisse cibler. Et là je concède. Là ah c'est ouais. ultra frustrant tu vois. Okay, okay. J'inflige la frustration. Comme on a été frustré on... nous. Viens on, on acte qu'on a gagné cette game. Ouais, c'est bon, on a gagné. Sur un land, c'était bon. Voilà. Ah oui, voilà, merci. Pas là, de temps pour monde... chier droit, quoi. Ah hein, je la relance. Ah bah tu peux la relance. Ah j'aime pas Ah j'aime pas ce qui s'est passé. Vous nous direz dans les commentaires ah. si la game est gagnée. Hein. Bah, ils vont dire oui. Hein. Ah, on ouais, l'a déjà affronté. Pense je pense qu'on peut dire qu'on est à 2-0. Je reconnais ses caractères entre 1000. Je vais envoyer un message au support. Voilà, oh, main est insane. La on main va est faire... obscène même. On va faire talisman tour 2. Il va faire. <laughs> il est fou. On va chercher le <laughs> kill. Il <va> faire. <laughs> il est bon. Allez, juste trouver des landes, s'il vous plaît. Voilà. Tain, mec c'est trop c'est too much tu peux ornithopter euh... ou juste talisman talisman comme ça t3 je vais chercher t4 je le mets et je prends combo allez vas-y gros c'est un vrai plan ce que tu racontes on dirait que tu dis une connerie mais ça marche ouais c'est mais pas il y a zéro connerie là ah ouais vidéo <laughs> mais zéro tu... connerie tu le dis sous le ton de la connerie. <laughs> oui, parce que je, qu je fais un peu un plan de, un plan de vol euh, qui a l'air. Ouais. Oh putain, mais ça je m'en fous. Oh fait, putain, j'ai pas, pas besoin d'aller chercher. C4 et je vais attaquer pour 22 au T5. GG. Oh, centre des ouais, terres. Je... Tu vas chercher un land là ou, <laughs> ou bien Je vais chercher euh, le truc à zéro là qui fait du malin à Kinan. Et tu pars maintenant Non. Ah, dommage. Calmez-vous. Ouais. <laughs> oh putain. Non, oh c'est combo pour deux. C'est en rituel ou pas C'est que pendant mon tour. Vas-y, va chercher un land. Non mais je vais chercher le. Ça là, ça fait deux mana. Eh gros, tu joues contre Ragdos Midrange et il va te tuer ton Kinan juste. Sûr sure Mais c'est pas ah, grave, ça fera un mana avec Emry. Alors que le tour d'après, tu fais champ de la création land, tu pars en live. Hein. Mais non, mais ça c'est mieux parce qu'avec Emery je fais un mana aussi. Mais gros, il va te le tuer, ton Emery. ok, t'as pas peur, mais vas-y. Non, -tu mec, je, je, je suis bien, je suis bien. Ok, mais joue pas maintenant, alors. joue pas maintenant. Il faut qu'il développe un, il faut qu'il fasse un truc en rituel, quoi. Mais non, je fais Kinan comme ça, je peux faire euh, Mox sur de la création, je pars en couille. Mais tu fais pas Mox sur de la création maintenant, là. Non, mais je fais Kinan comme ça, tout d'après, euh, je peux faire sur de la création. Mais gros, il va te bonne Crusher ah Giant, bon, ton Kinan. J'ai, j'ai euh, plus là. T'as timeout C'est timeout. ne pas le plan du tout. Ah je sais pas. De toute façon, on peut que gagner avec ce deck. Tous les plans se valent. Là, faut espérer que tu top deck un land pour pouvoir quand même partir en couille. Voilà, là, il se met bien en rituel. Ça, ça c'est ce que je veux voir, tu voilà, vois. là, tu Let's go, Let's go Allez, Kinan, Moxambre, tu landes et on est parti. Est-ce que c'est pas mieux de chant non, c'est bah, si, si tu fais Kinan, Moxdam, on est d'accord que tu fais Chant quand même. Oh oui. Ok. Mais tu as ah, raison, tu as raison. Hop. Avec je le fais Chandelier. Là, tu me trouves un petit mana et on n'en parle plus. Hop, je te trouve un land. Eh non. Fin de tour. Excellent. Putain, j'ai envie de chier par terre, gros, quand tu fais ça, ce deck. Ouais, je crois que je commence à comprendre ce qui se passe. C'est que le deck perd seul, en fait. Et du coup, la Magic, c'est déjà dur de gagner. Alors quand tu perds tout seul. Bon, hyper après. Spoiler, t'as gagné hein, parce que Ragdos il va pas gérer Champ de la création. Euh, non, c'est vrai, il y a peu de moyens. Genre là, il fait talisman, rien. Ça, je m'en fous, mon pote. Parce que si je trouve le land maintenant, par contre, là, je vais de colère. Ah, mais tu vas trouver le land maintenant. Non, si j'ai faisais de le deck. Eh non, j'ai fond le deck. T'as fou en le deck, en deck Ouais, tu vois. Oh putain, oh putain, il avait fond le deck. Mec, j'ai fou le deck juste. Par contre, là, je suis ah, de land de Voilà. J'ai dit je trouve de l'an jeu chien. C'est encore pire en plus. Parce que ça nous a donné l'illusion, l'espoir. Pas, Gros, faut pas que je joue ce deck, Moi J'ai envie de tout casser je crois. Mais c'est les decks combos qui perdent tout seuls, c'est nul à chier. Non mais en vrai, en vrai, il est puissant ce deck. Tu peux ouais. un peu encadrer la RNG quoi. Ah bah on a joué contre... Sur la game d'avant, en vrai, si on, teste, si on tente pas le MRI, j'étais un peu forcé à le faire. On gardait juste notre contre et. Ah ben non, ben non, en fait non, on perdait notre contre. Non, non, on n'avait pas le choix. Non, ouais, ouais, ça arrive. Hein. En fait, t'as tellement des free wins si le deck perd pas tout seul que c'est un peu logique, quoi. Ça se paye finalement le jeu est bien équilibré. Ouais, c'est ça. Parce que je trouve que le deck est, est quand même pas mal plus fort que ça à quoi je m'attendais. Hein. Ouais, je suis d'accord. En ah fait, la ouais, vitesse écoute, à laquelle il gagne, c'est. Bon, là, tu peux pas piocher 3 landes d'affilée, c'est pas possible. Ouais, d'accord. Il euh, y a peu de chance. Je a pioché un seul en 13 cartes tout à l'heure, donc euh, en piocher 3 en 4 cartes, ça serait un peu abusé. Parce que là, pour moi, tu pars en combo et tu gagnes. Je suis peut-être con, je me suis peut-être trompé quelque part. Ça va dépendre. De... Il faut que j'ai euh... qu'un seul land sur les 3 prochaines cartes et que ce soit pas la carte que je pioche. Là. Ah, ben bah, ça, ça marche pas non <laughs> plus. Le deck est nul à chier. Le deck est nul à chier, je suis désolé. Mais non, le deck est pas nul à je chier. Je ne moi. veux pas entendre autre chose, Val. Tu vois bien que ah c'est mais... de la merde. Gros, remets-y un coup là. Ah bah oui, j'en mets un coup, c'est ça le pire. Remets-y un petit coup. On draw. Non, mais on n'est pas aidé aussi. On draw 4 cartes, Val. Sur 3 cartes, il y a 2 landes et 1 contre. Et tout à l'heure, quand il faut qu'on trouve un land, on draw 13 cartes. Sur 13 cartes, il y a un land et il est meulé. Mais gros, c'est pas le deck. C'est ton karma, gros. C'est moi. qui tourne autour de ta tête, gros. Putain, je garde. Ah, garde. J'ai confiance. J'ai confiance en le deck encore. Il bah, va pas peux. me laisser tomber trois fois l'affilée. Non, il non, serait jamais, trop, jamais. Il serait trop salaud. Oh putain, ça, ça va vite, ça. Ok. <laughs> T'as dit ok en mode. ou oh, putain. Mec, je suis bien, je suis bien. Ah, oh, j'aurais dû remitter. Merde. de dégâts trop. Non, j'suis il faut pas encombrer comme ça. Au moins, quand tu résous chant de la création, t'es sûr de gagner. Oh putain, oh, il joue un, de merde, putain, un bon deck de merde. Tout doux, tout doux. Putain, j'ai cru que c'était un bon deck. de Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, garde un mana là. Oh merde, ça marche pas. Kinan, c'est bon. Ça, c'est ah, dégage, C'est bon. Ah, Kinan, c'est bien. Ouais. Centre des terres. Ok, donc tour prochain, on fait Kinan, Mox, mes couilles. Et il faut que tu trouves un land. Hein. Donc ça marche pas. Hein. Ton prochain, tu fais rien, poulet. Si hein. si si si, je fais off qui se refuse sur Omnito. et euh... et on, on est, est parti. Bon. Ah ouais. Ok. Tu feras plutôt sur Cryptic alors, sur Cryptic, euh, uh, Crypt uh, Tormod. -tormod, Tormod, Tormod, Tormod. Ouais. -tormod. Vas-y, vas-y, mets les dégâts poto. Ok. Donc je Allez, commence Kinan par Mox d'ombre. Kinan Crypto Tormod, une off qui ne se refuse pas. Champ de la Création, en e -top -terre, Let's go, GG wellplay. Je paye. Le mox. Alors, le mox. Le mox Le mox. Contrôle total. Crit de Tom Rod. Contrer ça, oui. Attends, est-ce que je peux en fait Oui, si je peux. Oui, tu peux. Pourquoi tu peux pas Parce que ça me fait euh, deux manas à chaque fois de la même couleur. Mais non, c'est bon. Ah non, c'est bon. T'es caté. Il me reste deux manas. Ouais, là tu fais un nidopter, e tu pioches des actifs et on a gagné quoi. Je prends un. Je, je ne peux pour... pas croire à autre chose, PL. Ah non, tu peux le contrer. Je pouvais ah, contrer. Oui, non contrer. Bah ouais, tu pouvais le contrer. T'aurais pu euh, talisman euh, noir du coup. Oh merde. Ah, oh, putain. Ah mais gros, il s'est pas allumé du coup, je croyais que je pouvais pas. Oh, Fuck me Gros, le, le, ma main ne s'est pas allumée. Alors que ouais, je suis en contre le total. Il y a un moment où la main ne s'allume pas. Et j'aurais dû penser. Pas cool le jeu. Ah bah ouais, du coup il meurt, hein, Kinan. Ça se pourrait toi. 9, 8, 1, oh, 6, 6, Ah, on va top deck, on va top deck, on va win. Ah ouais Parce que là on a, on a perdu, là. Hein. Non, on est bon, on est bon. Ah ouais Mec, pas un land. land non, 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 pas un land. Ni un land, ni off qui ne se refuse pas. D'accord. Oh, mais putain C'est pas possible <laughs> Gros, on avait gagné. Allez, je draw. Ok. Oh, putain Le génie. Mec, génie. Oh, génie génie. du crime. Quoi Hein Mais. Ah oui, putain Ça fait pas de mana, ça. Ah non, ça fait. Oh non Mais non, mais non, mais non Gros il me rend fou ce deck Putain. Allez, encore une petite. Non mais là ça compte pas. En vrai ça compte pas, on avait gagné. Avec le jeu qui bug et aucun son, j'ai vraiment envie de caguer par terre en plus. <laughs> je veux mes sons de jeu, je veux les. Je veux qu'en mono rouge il pas que ça fasse bzz. Tu vois Et en vrai, on est à 3-1 là normalement. Ouais Sur ouais. Coups, non en vrai on est quasi undefeated. Non non il y a vraiment une game qu'on a perdu sec. Ah, T'as rien qui se dispute mortel, attention. Attention sur le keep. Hein. Mec, fais confiance au deck. Je lui ferai pas confiance, moi perso, mais. Alors, si je lance il faut prendre en compte. Ouais, il faut que, que, tu... que c'est en BO. Pas faire quoi, ouais. Ok. Ok. okay. Tranquillou. Oh, malin rouge. Mana vert qui devient euh, mana noir, dispute sur rien. Let's go. Ah il va être content de ce qu'il va te voler, lui. <laughs> Un talisman, excellent. Pour l'instant, je suis très bon, Val. Tu peux faire acolyte contré par une offre qui ne se refuse pas, dispute mortelle sur les trésors, et commencer à faire des, des, des choukapics, quoi. Je lande. Est-ce que ça te va comme play Acolyte offre. Eh mais du coup, j'ai plus que du malin incolore avec ça, mais j'ai deux trésors. Je peux faire une dispute sur un des trésors. Ouais, ça me va. Ou je peux attendre. Franchement, je peux attendre. Je... Hein. Je peux attendre bah, au moins, tu utilises ton mana maintenant. Et le tour d'après, tu es sûr de champ de la création avec probablement des drops à zéro, tu vois. Mmh... Non, tu préfères attendre d'avoir champ. Parce que le si tu... tour d'après, tu vas faire champ de la création, tu perds ta main. Autant l'utiliser maintenant. Ouais, peut-être que c'est mieux. Attends, je fais ça. Je pense. Hein. Hop. Payer un. Contrer ça, oui. Payer un. T'as Spire, du coup, là, elle fait n'importe quelle couleur. Ouais, du coup, là, je paye un point de vie. Hop, sacrifier l'autre Arthos chez deux cartes, crée un trésor. Et là, si tu trouves. Voilà et là t'es bien pour le tour d'après. Ok. okay. Bah, t'es un peu mieux quoi. Regarde, contrôle total. Du coup là, tour d'après, je peux faire. Euh... Eh non, putain, je peux pas du tout faire champ de récréation. Si Mais avec si... dispute mortelle sur un ornithoptère. si si. T'es sûr Attends. Land. Vas-y, vas-y, je rate pas ce que tu fais. Ah parfait, je voulais pas top deck ça, ça m'arrange. Oh putain, y en avait deux affilés. Ah, mais c'est pas, pas grave, ça te donne tes couleurs. T'as mains. Donc tu fais un e top tu contre avec une offre qui ne se refuse pas. Gard... Garder le contrôle total. En e top Vas-y, rends fou ce deck. Hein. Pourquoi je peux pas Ah, c'est non-créature, mais putain. Oh, je... je suis désolé, gros, c'est moi qui t'ai dit le... le drame. Land. Ah pas grave, tu veux quand même dispute mortelle ton ornithoptère. Du Donc, coup en oui. vrai ça passe. C'était pas le plan mais ça devient. Oracle. Et là tu 15, peux changer la 4, Création. 5, 6, 7, 8. Euh, okay. On est mort c'est ça Non non. ça enfin, Pas encore. Il faut gagner dans le tour quoi. Ouais, ouais. Ou, ou alors juste ne pas mourir. Ok tu peux Tawara. Ou ne pas mourir oui je peux bloquer aussi. On est bon sur les spells à 0 par contre. Là par contre tu perds tous tes oracles de Tassa donc euh, t'as perdu en fait. Euh... Ah j'ai plus de spells à 1. Merde j'aurais dû lander et contrer une crypte. Ouais j'ai perdu. Ah putain tu pouvais contrer et on jouait oracle Euh... Mais gros en fait ce deck il est pas mauvais il est juste dur à jouer en fait. Comment je faisais là ah tu pouvais tu pouvais, contrer, tu pouvais contrer un spell à zéro avec une offre qui se refuse pas et t'avais deux, deux mana pour jouer, pour jouer oracle. Euh, ouais mais notre but c'est Enfin je gagnais pas en jouant oracle là il fallait que je creuse encore. Ah non tu gagnais pas mais au moins tu sauvais un de tes oracles vu que là on allait défausser notre main tu vois. Ah ouais mais si je le joue euh, on a perdu quand même parce que Takenuma il est au cimetière. Bah non parce que après t'as juste à vider ta bibliothèque et tu gagnes avec le, non, le passif le... De, de Oracle. Non, non. c'est pas un passif, c'est un TB. Ah c'est carne TB. Ah ouais. Et y a pas moyen de se bouncer la carte en main mmh, je crois pas non. Il doit y avoir des, 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 des backups. Ouais bon ok. Ah, je pense qu'on avait juste perdu parce qu'on en pioche deux en, en 20 cartes quoi. Bah, elle est pas très bien cette main. Je la garderai pas. Non. Elle est presque bien j'ai ouais. hâte de faire confiance au un... deck et, ils nous dessus. et en plus ouais, on ouais, joue peut-être voilà. pas ça, très, ça très c'est bien, bien, ça, bien. Bah, je pense qu'on le, on le joue pas euh, parfaitement ça c'est clair mais du coup il est plus intéressant que ce que je pensais ouais. par contre les Song of creation on les trouve très facilement ça ça fait plaisir bon, après voilà. le, le, le deck creuse bien dedans même si tu viens à galérer à, à les trouver quand même je vais un land mais pas ça je crois. Tu veux garder tous les lands ouais, pour être sûr de champ de la création. Autant oh, mon script. C'est Ragdos encore Je pense. Après on a pris pas mal de Monored plutôt que des Ragdos. Ah. Ça, ça c'est dur. Je pense qu'il a compris. C'est vrai. Ça... Ah, ouais. C'est pas mal euh, du tout. Je fais pas Kinan, là en vrai, non Non, parce qu'il va juste le tuer, et je pense que tu fais l'an de passe. Hein. Je fais de noir. Ouais. Surprise. Bah il connaît ta main, <laughs> C'est pas, pas trop de surprise, mais... Ah oui, mais c'est parce qu'il y a d'autres. Allez, fais-moi saisie sur Kinane, je passe à la prochaine qui leur croque. Allons-y. Mec, pas tant, hein. tu peux quand même encore top decké chant de la création, c'est ça la beauté. C'est vrai. Ah, mais je fais plus confiance au deck, donc là, je sais pas s'il va me le rendre. Mais si, mais si, t'inquiète. Genre, t'es 4, tu vas piocher avec Wishing Well, ce sera trop bien. Oui, c'est vrai. Pour 4, je vais piocher 2 cartes, je vais être frais. Bon, regarde, rien à foutre de son Calitas. Ah. ah, bah, tour d'après, tu peux changer de la création. Là. Tu, fais, tu fais Talisman maintenant et c'est bon qu'il pas... Ouais mais du coup lui il peut aller chercher discard et me l'enlever. Faut que j'attende un tour en fait. Ah tu pourras le faire le tour d'après ouais. Ah si je vais le chercher, il fait pour un mana saisi. Ah bah non, parce que s'il le fait, du coup moi je le refais. Ah mais non, mais je... Il faut que je top des dans tous les cas, ça rien du donner une carte. Après s'il a un cassartos. Ouais ouais s'il a un cassartos en plus ça me. Oh le jeu, le sait, il le met en premier. Non, vas-y, moi je testerai comme ça, hein, ça me va. Ça veut dire aussi que quand toi, toi tu feras ton dernier tutor, ton Oppo n'en aura pas, tu vois. Il mm. a une belle main, le mec. Hein. Particulier, hein. Il a mal fini, certainement. Ouais, je pense. Bon allez killer crow là, t'es notre dernier adversaire. On va tout donner contre toi. Oh, oh ça c'est parfait ça. Oh 3 points ah, de vie. Ah il veut pas nous le rendre. Oh putain. Mais mec, vais, mais juste par maintenant là. là Let's go C'est que Si on en joue deux, on draw 4 partout. Hein. Et on défausse deux fois notre main par contre. <laughs> ok. Tu peux aligner deux lands ici. Toujours ouais. pas. Ah, super, j'ai eu peur. Voilà. Tu peux tourner l'industrie, Emery. Ton industrie, est ça en bleu, je pense. Ouais. Ouais, Donc, bah, noir en vrai. Euh, contrôle total. Ce oh, c'est excellent. Ça, c'est bon. Allez, ne meule, ça, pas, excellent. Euh, ne meule pas trop de la merde. Euh, ah, moi, bah, c'est pas grave. Ça va, ça va. T'aimerais bien. Ah, cet oracle de Tassa, là, il faut faire attention à lui. Ouais, on a encore Takenuma, donc. ça Est-ce que tu peux tuer dans le tour, là, avec si tu trouves beaucoup de mox d'ambre Oui. oui. Ouais, je peux te piocher, là. Bon, bah. ça dépend de l'ordre, mais je vais essayer. Ah, c'est bon, t'as gagné. Tu peux prendre, tu fais dispute mortelle, tu peux dispute ici. Prends ton mana, fais dispute sur un, sur un ornithopter. Bleu, je vais faire. Euh... Non, je fais Yakinan d'abord. Pourquoi ouais, Mox ouais, ouais, en phase de mana Excuse-moi. Ah non, bah non, parce que sinon je peux pas. Bah si, tu pourras quand même dispute. Non. Avec ton prochain Mox. Non, le prochain Mox, il fera que du vert et du bleu. Ah, tu pas de noir. D'accord. Ouais. Donc là, il faut que je fasse dispute. Ouais, fais dispute sur ornithopter. moto sur ornithopter. Ou sur une crypte, j'aurais pu aussi pour éviter de lui donner ça. Mais bon, là, mais je crois que l'objectif... Euh, l'objectif, c'est de win. Ouais, ah ouais, on le tue dans le tour. Il a un fatal push. Il a un push Ouais, mais en vrai, son push, on s'en fout. Hein. C'est un ETB, t'as ça Oracle. Il Faudra juste que tu prennes en compte que t'as deux de dévotion en main. Ouais, surtout que mon Moxon fait plus de mal à quoi. Ah, si, oui, mais si jamais il veut push euh, à la fin de ton combo sur mmh. Oracle. Euh... Ah, il est parti. Ça l'a saoulé. Ah, il est au courant. En vrai, en vrai on la gagne celle-là. Hein, 100%. On fait trop de magie là pour lui. Ah, il est parti. Vas-y, t'es trollé qu'il leur croque. Euh, fais pas ça, laisse nous savourer une victoire. On a galéré gros pour l'avoir en plus. Ok, ah, merci. Donc là, je vais piocher mes deux cartes, faire un trésor. Euh... Oh, je bosse et joue, je casse ça. Fin de tour. Ouais, tu peux encore avancer. Là, en vrai, pour l'instant, tu castes encore euh, notre ami euh, machin, là. Ouais. 24. Ah, c'est pas mal, ça. En vrai, euh, une offre qui se refuse pas, ça t'aide vachement à partir en combo, en fait. Ouais, mais il faut bon. te mettre en contrôle total, ce que je ne savais pas. Non normalement ça te le propose quand même je crois. Hein. Non non depuis tout à l'heure ça ne me proposait pas. Tout à l'heure on a perdu une game parce que justement j'étais pas en contrôle total j'ai pas fait. Euh, attends j'ai deux manas là, 20 cartes, euh, j'ai encore un mox tant qu'à faire. Ouais mais tu peux d'abord le Emery non Ah non t'as peur de perdre sur push euh, Ouais tu vois là il va push Emery. Non Ok. Wow, bah vas-y, hein, là tu, tu pioches le deck. Hein. Je garde celui-là. Okay. Euh, là du coup je peux, je peux quoi Je peux Wishing je peux Well le dispute. contrer. Dispute, ouais. je, perds un, je perds un trésor. Bah Wishing Well contrer, vas-y. Hein. Ouais. Ou emry contrer en vrai. emry ouais, je peux pas contrer avec euh, une ne se refuse pas. Ah ok. C'est un peu complexe, un passe mytho. Se refuse ouais, pas. On va l'avoir, on va l'avoir. Oui. Donc là j'ai 4 mana. Oh, je rejoins un champ de la création fin de tour. <laughs> J'en ai 2, comme ça il en aussi en je suis bien, tu sais. <laughs> Mec, j'ai bien réfléchi, je connais bien le deck laisse-moi faire. j'ai 3 mana, pas 4. Ouais, tant que t'en as 2, tu peux continuer à avancer. T'as 14, t'as 1, 2, 3, 4, t'as 5 de dévotion donc ça suffit pas. Et il faudra que t'aies 2 de plus pour pas euh, te faire avoir par push. Donc hein. oh, tu putain, peux continuer à poser là. Tu, tu peux jouer des Emery euh, pour te meuler plus. Meuler plus, plus pour gagner plus. C'est pour un moqueur supplémentaire. Ouais. Ah j'ai pas landé Ah si si j'ai landé. J'ai landé deux fois. Donc là mm -hmm. je joue une -ri. Emery. <laughs> ouais je joue une Emery. Ouais. Et là il euh... faut être bon. Hein. Ouais là ça commence à être complexe hein, si je trouve pas de... de spell à zéro. Attends le deck il en est il en est chargé quand même. Tu hein. trouves pas de spell à zéro Mais c'est pas fini. Euh, un je vais garder lui. Tu peux regarder combien il reste de mocs d'ambre. Alors on a deux mocs d'ambre un deux... deux. Il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un sur quatre. Il y en a plus. Et il est là il n'y a plus que 8 cartes il y a l'autre oracle qui a été mêlé. Euh, comment je peux quelles sont nos options maintenant si jamais attends, attends, attends si jamais tu fais un... <coughs> si jamais tu fais un oracle t'as dévotion à 5 et tu pioches 2 donc t'es à 6 ouais, donc ça suffit pas j'ai bientôt plus de temps hein, faut que je joue vite hein. ouais ouais et si tu joues un Emery, il passe quoi si je joue en Emery, j'ai plus de si mana t'as plus le mana après ouais le problème c'est qu'on n'a jamais joué de kinan en fait c'est ça le truc euh, je crois que je fais une dispute quand même, hein, je vois. Tu peux bosser et jouer un non Non, parce qu'il y a un adversaire. Crypt qui dégage. Ouais. On a pu fait 4. Oh, oh yes Eh non, j'ai plus de mana pour l'instant. Bah si, euh... c'est bon. Crypt. Ah. Crypt que tu cryptes que tu comptes par une offre. Ah merde, je meurs je crois. Et eh ouais, je suis mort. Non, non, tu te molles les 4, c'est tout. Tu te molles les 4 et quand tu joues, c'est bon. Mais non, je joue Emery, trigger, je... pioche 2. Ah putain, j'ai plus le time. On avait perdu. T'es sûr On avait perdu parce qu'en fait là, j'allais devant me contrer pour faire de mana. Ça allait ouais. me faire piocher 2 cartes, donc j'avais plus de cartes en bibliothèque. Et quand et je joue un 2 joues, Taz, là, de je pioche 2, j'ai perdu. Tu pioches avant la résolution de, de l'oracle ouais, ouais, tu pioches toujours, c'est au lancement. Oh fuck Oh putain Ouais il est pas facile. Après euh, on a trouvé les dernières cartes euh, qu'il nous fallait à la fin quoi. C'est vrai qu'avec Kinan on aurait gagné facilement quoi. Ouais bah avec Kinan, on doublait tous les trucs. Au moment quand je dis euh, on joue Kinan, je pense qu'on aurait dû. Ouais mais non, parce que ouais. si tu prends push, ça met fin à ton tour. Ouais mais ouais. Oui, et puis on aurait pu piocher euh, le Mox d'ombre au lieu de le mêler. Ouais, c'est si dur. Hein. Franchement, gagné. il est dur à jouer ce deck-là. Hein. C'est un, un vrai deck. Hein. Pas facile. Hein. Genre, ce qu'on a fait contre Monogreen euh, à la une, c'était cool, mais ouais, bah c'était un deck qui interagissait pas, donc t'as pas à réfléchir. Ouais. Tu, tu slams et puis tu et puis t'avances quoi. En tout cas, c'était stylé. J'ai kiffé quand même jouer ça. Et on voit que des fois, ils s'en faux de peu pour vraiment euh, rosser adversaire quoi. Mais le problème, bah, c'est que en plus d'avoir un adversaire, là, on, a fait... euh... on a fait une victoire et quatre défaites. Je pense qu'il y a deux games qu'on doit gagner, je pense qu'on doit faire 3-2, tu vois, en jouant mieux le deck. Ouais. Après, euh, ouais, c'est vrai qu'on ne joue pas extrêmement bien le deck, mais genre quand on pioche 0 land dans 13 cartes, bon. Euh... Oui, oui, voilà, bien sûr. Là, non, même si on aura pu jouer chaud, très négative et, et, erreur de, et erreur de gameplay, quoi. Ouais. Mais c'est normal. C'est la première fois qu'on joue le deck, il est, il est pas facile à prendre en main, quoi. C'est clair. Mais je trouve qu'on s'en est pas si mal sorti. Franchement, le deck est pas simple du tout. Non, Genre, ça on va, connaît ça les va. petits tricks et tout. Juste que ouais, bah le, le full control, c'est pas un réflexe pour une offre qui ne se refuse pas. Ouais, ça te le, si c'est sur tes propres spells, c'est con que ça te le propose pas. Et... Ah, J'ai quand même la sensation que c'est pas si mauvais comme deck. Hein. Ouais, c'est pas mal. Après, c'est du BO1. Je sais pas en BO3 comment il s'en sort. Bah, je te dis, je pense qu'il est très fort game 1 et qu'après, il faut qu'il vole la game 2 et 3. Ouais. La game 2 ou 3. Ouais, bah en fait je pense que ton side en fait te... Te... ne t'améliore pas autant que ce que le side des adversaires te diminue. Bah pas tant justement, parce que le side des adversaires, à part contre Ophéméria, il n'y a rien qui disrupte pleinement ce que tu fais. Bah il y a les discards, les contre incontrables. Ouais mais les discards c'est pas forcément extrêmement puissant, je veux dire, t'as pas forcément une main de départ avec champ de création quoi. Non c'est vrai, ça n'empêche pas de top deck, mais genre ça t'empêche d'utiliser Talisman ça te fait défausser un Mox d'Ambre, un champ de la création, enfin, ça peut être vraiment, euh, vraiment chaud, quoi. Ça peut te ouais. faire perdre suffisamment de temps, on va dire, pour que l'adversaire puisse te tuer, quoi. Oh, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais bon, j je m'attendais à un deck junk pétitif, je pense que c'est un vrai tiers 2-3 du format, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'était cool à jouer, en tout cas. Bon, fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a fait kiffer. Euh, si jamais il y a des experts du deck qui veulent euh, un petit peu plus expliquer comment marchent certaines interactions dans les commentaires, n'hésitez pas. Ça permettra à ceux qui ont envie de le jouer euh, bah, d'avoir plus d'informations. Par contre, si jamais voilà, vous tombez sur cette vidéo, le truc c'est rigolo, sachez que euh, c'est vraiment euh, dur à jouer et ouais. qu'on ne conseille pas du tout de crafter ce deck. Euh, même si ça peut être un peu compétitif, ce sera quand même très loin d'un u contrôle Control, d'un Ragdos euh, ouais, midrange. Ouais. Donc, vous, attention. Vous, vous craftez des cartes qui ne sont pas trop recyclables dans d'autres decks. Est-ce mmh. que tu, si jamais tu fais talisman de Grief en full control, tu peux dispute mortel ton talisman en réponse Euh. Oui. Ouais, c'est pas mal ça comme interaction. Ouais, parce que tu le mets, tu retires le marqueur, il y a la capacité en pile d'aller chercher et puis ouais, de le donner. Bah, ça déjà, c'est une interaction qui est sweetos. Ouais, mais c'est 4 mana quoi. Euh, c'est 3, 3. 3 mana. 3 mana. 3 mana, donc, mais il faut mais les 3 avoir. 1, tu vois. Alors, je pense que pas si bah, tu peux faire ça quand t'as pas champ de la création, mais quand t'as chat de la création, généralement t'as plus de mana pour, euh, pour ça. Quoi. Ouais. Mais c'est quelque chose que tu okay. peux faire. Après le talisman, okay, okay. genre non, laisser cool. laisser ton adversaire euh, piocher un truc, vraiment tu t'en fous quoi. Dans la plupart des match-ups. Toi, t'es juste en mode ouais. je vais chercher champ, Si toi tu vas chercher un truc qui le contre, je vais rechercher un champ. Et, euh, et je pars quand même. Quoi. Non, c'est ça, ouais. Mais ouais, c'est vrai que tu peux faire ça. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpel Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas, c'était de, de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.